trouble, trouble. Why can't you let me be? There's trouble, trouble, trouble. Why can't you let me be? All the folks are asking for ya. Le premier contact, le premier abord, ça va être avec l'étiquette. Et nous sélectionnons le vin, nous échangeons autour du vin avant d'avoir découvert la petite chaussette. Donc ça, c'est déjà un premier choix. Il est vrai que le discours arrive très vite sur la qualité de l'étiquette. Et c'est tout de suite le premier contact, puisque dès que nous avons fini la dégustation, nous échangeons sur ces cuvées et nous allons jusqu'au bout. Lorsqu'on nous avons 30 vins à déguster, nous allons jusqu'au bout pour ne pas être influencés. Et après, on découvre, waouh, premier coup d'œil, l'étiquette. Alors soit, waouh, génial, oh, quelle belle étiquette, donc on sait que ça va être vendu, et c'est très vendeur, et zéro souci, très bien, on peut en rentrer, on va commander tout ça, donc c'est nickel. Ou alors, étiquette A, compliqué. Avec les noms des petit dessin, ou le nom de la cuvée. Nom de la cuvée, alors avec un dessin tout de suite sur un linéaire, vous voyez, c'est une bouteille qui ressort et donc qui se vend plus facilement. Voilà, c'est vrai que ce contact vraiment c'est important. Sur une table aussi, bien sûr, ça compte. Une étiquette différente, une étiquette avec un petit truc un peu sympa, poum, c'est sûr que les ventes partent en flèche. Trouble, trouble.